Amis internautes, bonjour. Notre émission a pour titre, aujourd'hui, la torture pendant la guerre d'Algérie. La torture pratiquée par la police et par l'armée française en Algérie, pendant toute la période coloniale, mais particulièrement pendant la guerre, provoque aujourd'hui un grand retour de la mémoire chez les Français. Les témoignages se multiplient dans les médias, les consciences se libèrent, et c'est le thème qui a été abordé à Valence, dans la Drôme, lors des 23e rencontres Histoire et Télévision, organisées par Françoise Calvez, directrice du CRAC, et Ignacio Ramonet, directeur du Monde diplomatique. Des historiens, des cinéastes, des chercheurs, des journalistes, et aussi un public très actif, ont tenté de comprendre comment la télévision avait rendu compte de ces événements historiques majeurs. Béatrice Fleury-Villat, professeure de sciences de l'information et de la communication à l'Université de Nancy et auteure d'un livre publié chez L'Harmattan intitulé « La mémoire télévisuelle pendant la guerre d'Algérie », a décrit les différentes périodes de production télévisuelle pendant la guerre d'Algérie à partir de 1962 et a montré comment il a fallu attendre les années 1980 pour que la mémoire se libère. À partir des années 80, avec des différences notables au cours de la décennie, mais c'est un point qui traverse quand même cette décennie, c'est l'évocation de sujets difficiles. Alors, j'ai dit que la torture avait été présente à la télévision, mais à partir de 1980, elle devient une symptomatique du traitement de l'événement. C'est-à-dire qu'il devient difficile de traiter de la guerre d'Algérie sans évoquer de façon approfondie ou en passant, la torture ou la violence ou les exactions. Donc cette nouveauté, une autre nouveauté dans les années 80, c'est la volonté de traiter de sujets difficiles. Autre sujet difficile qui est traité à partir de ces années-là, ce sont les manifestations parisiennes qui ont en quelque sorte sali la mémoire de ces années en 1961 et 1962. Donc ces événements seront traités à la télévision comme s'il était important de débusquer à partir de ce qui dérange le souvenir de la guerre d'Algérie. Donc ce que l'on peut remarquer, c'est que les représentations de la guerre d'Algérie sont très dissemblables d'une décennie à une autre. Elle se caractérise par la volonté de mettre en avant des éléments différents de l'histoire française qui rencontrent un présent particulier de la société française. Donc en 1960, on sanctifie l'obéissance parce qu'il est important de ne pas troubler les esprits dans cette période-là. En 1970, on caractérise l'importance de la politique par les personnalités officielles et dans les années 80, on cherche en revanche à débusquer ce qui n'aurait pas été dit, ce qui aurait été caché sur les événements. Benjamin Stora, historien, chercheur au Centre de recherche en sciences humaines et sociales de Rabat au Maroc, est un spécialiste de la colonisation et aussi de la guerre d'Algérie. Il a publié de nombreux ouvrages, notamment deux concernant particulièrement la guerre d'Algérie aux éditions de la Découverte. L'un s'appelle « La gangrène et l'oubli, la mémoire de la guerre d'Algérie » et plus récemment « Le transfert de mémoire de l'Algérie française au racisme anti-arabe ». Alors Benjamin Stora s'est employé pendant ces rencontres à souligner l'action de la censure, action très efficace pour interdire de très nombreux films de fiction sortis pendant la guerre et après la guerre. On n'en citera que quelques-uns. « Tu ne tueras point » de Claude Dautant-Lara, « Le petit soldat » de Jean-Luc Godard, « Muriel » d'Alain René. Mais alors, qu'en est-il de la télévision? Ce qui est la force de la télévision, c'est son énergie du direct. L'énergie télévisuelle, à mon sens, c'est l'énergie du direct. Alors, pas le direct immédiat, mais lorsqu'un événement se produit dans la journée et que vous le montrez le soir ou le lendemain, il a une force. Cet événement existe. Il est animé par une force, par une énergie. Lorsque vous montrez des images de guerre qui sont remontées, je veux dire, 5 ans, 10 ans après, ils perdent de leur force. Or, le problème des images de télévision et de la guerre d'Algérie, ce sont des images qui ont été faites pendant la guerre d'Algérie, par la télévision française et par le CPA, c'est-à-dire les forces armées françaises,
entièrement hors du direct, c'est-à-dire entièrement montées. Ce sont des images qui n'existent pas dans des temps réels. Si vous regardez par exemple les images de l'INA ou les images 5 colonnes à la une, on y reviendra avec l'exposé qui suit derrière moi, on verra que ce sont des images qui n'ont rien à voir avec le direct. Ce sont pratiquement des mises en scène de direct. On a par exemple dans les reportages de 5 colonnes à la une, le premier numéro, le sergent Charlie Robert, la vie du sergent Charlie Robert, bon, en janvier 59. Alors il faut savoir que cette vie du sergent Charlie Robert a été entièrement scénarisée, je veux dire, à l'époque. C'est-à-dire qu'il n'y a rien, disons, de naturel, enfin, entre guillemets. C'est-à-dire que ça a été entièrement préparé. Ça a été préparé comme un film de propagande, en fait, fondamentalement. C'est-à-dire que, quand on regarde les images qui ont été produites pendant la guerre d'Algérie, les images les plus connues, eh bien, ce sont des images qui ont été scénarisées. Des images remontées, des images mises en scène, des images contrôlées, très terriblement contrôlées. Et les rares images qui ont échappé au contrôle, à la censure, ont été des images qui sont d'ailleurs très très fortes, et qui sont des images qui ont été montrées après coup. La plus célèbre de ces images, qui a échappé au contrôle de la censure, mais qui a été montrée après coup, c'est, vous savez, l'image du halte au feu, c'est-à-dire de la rue d'Isly, lorsque des soldats français ont tiré sur une manifestation d'Européens à Alger, hein, qui a fait 46 morts en quelques minutes. Bon. C'est une des images les plus fortes de la guerre d'Algérie qui a été censurée, hein, au moment où elle a été réalisée par les caméramans qui l'ont faite, français. Bon. Pourquoi ? Parce que le général de Gaulle estimait que montrer ces images en avril 62 risquait de démoraliser et d'accentuer les facteurs de guerre civile franco-français, etc. Et ces images ont été montrées que 2 ans plus tard, en 1964. Elles n'ont pas été montrées en 1962, hein, dans des magazines comme 5 colonnes. Alors je sais que je m'attaque là à des grands monuments de la télévision française, hein, 5 colonnes à la une, on dit c'est toujours la référence, toujours le monument, etc. Mais force est de constater que les images du direct, c'est-à-dire les images avec la force, l'énergie qui était la leur, qui représentait quelque part quelque chose qui ne rentrait pas dans des processus de scénarisation, donc de propagande, et bien ces images-là ont échappé. Enfin, ont été censurées, n'ont pas été montrées. Bon. Il y a d'autres images comme ça, ce sont les images de l'ECPA, les images qui sont des images des forces armées, qui sont déposées pour l'instant à Ivry, au fort d'Ivry. J'ai rencontré un certain nombre d'opérateurs qui ont travaillé pendant la guerre d'Algérie, j'ai pas vu personnellement les images, mais qui ont tourné des images militaires françaises, donc, pendant la guerre d'Algérie. Il y en a deux qui sont très connus, d'ailleurs, qui sont des cinéastes, c'est Philippe de Broca et Claude Lelouch, hein, qui ont été des cinéastes de l'armée, hein, française. Philippe de Broca explique, par exemple, que il a filmé des scènes de violence et d'exactions et de torture, mais qui ont été immédiatement et censurées, hein, par l'armée. Et on ne sait pas si ces images existent toujours ou si elles ont été détruites, hein, par l'armée française. Bon. Mais il les a filmées. Bon, elles existent. Enfin, pour lui, elles existent, puisqu'il les a tournées. Mais où sont-elles ? Mystère. Bon. C'est-à-dire qu'en fait, et je conclurai pour dire que ce qui donne ce sentiment d'absence, de malaise, de gêne, de non-représentation de la guerre d'Algérie, c'est essentiellement le fait qu'on a assisté à des phénomènes massifs de censure et d'autocensure. Le fait, par conséquent, que la plupart des images montrant la guerre d'Algérie ont été montrées soit en différé, soit ont été censurées, soit n'ont pas été acceptées en tant que telles. C'est-à-dire, ce qui caractérise pour moi l'image télévisuelle, c'est la force de son impact direct dans ce qu'elle implique dans la société. Or il faut constater que malheureusement, ce qui donne ce sentiment compassé, enfin ce sentiment décalé, ce sentiment où on ne se sent pas investi et impliqué, dans les documentaires, au niveau des images d'archives, hein, c'est le fait que ces images ont été entièrement placées sous contrôle. Par contre, ce qui donne cette impression extraordinaire de vérité, de côté bouleversant et de paroles, enfin de choses qui se libèrent, c'est non pas les images d'archives, mais les paroles, tout simplement. On le sait, enfin je veux dire, et on le voit très bien que sur la guerre d'Algérie, ce qui a fait office de déclencheur, ce sont pas des images recherchées, secrètes, etc., mais ça a été fondamentalement la parole soit de victimes, soit de bourreaux, hein, je veux dire, sur la question de la guerre d'Algérie, et qui ont bouleversé l'opinion publique française. Donc on pourrait presque dire que, dans le fond, ce sont peut-être pas les images de la réalité qui ont bouleversé, mais ce sont tout simplement les images de la parole, peut-être, et du vécu qui ont été d'un formidable impact pour que la guerre d'Algérie revienne parmi nous. C'est effectivement la parole de Louisette Higuilaris, militante algérienne, torturée en 1957.
dont le récit a été rapporté dans Le Monde du 20 juin 2000. C'est effectivement cette parole qui a déclenché les réactions de la presse et également les aveux des généraux Massu et Osérès, publiés dans Le Monde, toujours, du 23 novembre 2000. Depuis, d'autres personnes ont parlé, notamment le sénateur Jean Faure, sénateur de l'Isère, vice-président du Sénat, qui a autorisé le journal Le Monde, le 17 février 2001, à publier ses carnets d'Algérie. Dans chaque débat organisé sur ce sujet, parfois encore aujourd'hui sous protection policière, des personnes éprouvent le besoin de parler, de se libérer. Ce fut aussi le cas à Valence. J'ai rencontré des camarades du même bataillon avec qui j'étais, pour eux ça a été pareil. On ne voulait pas nous croire. Un peu, et je reprends un peu ce que, quand les gens sont rentrés en 1945 d'Allemagne, et ben, des camps, on ne voulait pas les croire. Moi, j'ai ressenti ça comme ça. Alors, et là, je suis très heureux que ça se débouche maintenant, parce qu'il a fallu des fêtes récentes pour que ça débouche. On faisait la pacification. Enfin, quand on pacifie un pays en détruisant la moitié. Enfin, moi, j'ai vu des régions entières au sud de l'Orsonis, où après, nous, et le premier ou deuxième rang, parce que j'ai moins de citer des régiments, vous craignez pas d'y casser la croûte, hein. Il n'y avait plus rien. Alors, on ne pacifie pas un pays comme ça. Et quand j'ai essayé d'expliquer ça à mes parents, ou à des amis qui étaient plus vieux que moi, à des prêtres, tout ça, parce qu'on se connaissait, j'ai dit, rien. Je pensais que c'était, enfin, je sais pas. Moi, il y a eu un hiatus pendant, puis peut-être qu'il y a tout. Je crois que les gens ne voulaient pas entendre que les appelés avaient été amenés, enfin, les appelés entre guillemets, parce que je dis que nous, on a eu la chance, c'est que les officiers qui nous commandaient faisaient le boulot. Quand je dis boulot, exécution sommaire et torturer. Nous, si, on tournait la GGN, on foutait le feu au baraque, on faisait tout ça. Mais bon, c'est déjà un peu relatif entre descendre un bonhomme. Et puis, le torturer avec un poignard en lui injectant des doses d'électricité, je dis, c'est bon. Et l'officier, un des officiers qui nous commandait, jamais n'appelait, je laisserai faire un appelé, ce boulot, c'est pas le vôtre. Je dis qu'on a eu énormément de chance par rapport à d'autres corps d'armée, d'autres groupes, où ça a vraiment dégénéré. Et les gars, je sais pas comment ils ont pu dormir pendant 40 ans, certains, parce que moi, c'est difficile, mais. Pour l'instant, les Français s'intéressent plus aux traumatismes subis par les soldats français que par les victimes algériennes. Nous apprenons ainsi, toujours dans Le Monde, que 350 000 anciens d'Algérie souffriraient de troubles psychiques liés à la guerre et qu'un vétéran sur quatre revit, 40 ans après, les exactions vues, subies ou commises. Alors à Valence, André Gazu, déserteur de l'armée française pendant la guerre d'Algérie, réfugié en Suisse, aujourd'hui réalisateur et producteur du plus important magazine d'actualité de la télévision suisse romande, je veux parler du temps présent. André Gazu donc a présenté pour la première fois à Valence un documentaire qu'il avait réalisé en 1973 sur le général de Bollardière, sachant que ce général de Bollardière a été le seul général pendant la guerre d'Algérie à démissionner à cause de la torture. Mais ce qui est troublant dans les images que vous avez vues, c'est que on voit très bien un commandant lorsque c'est l'arrivée des suspects, et donc c'est un passage à tabac. On voit, je sais pas si à droite ou à gauche de l'écran, un appelé absolument tétanisé, hein, comme ça. C'était pas une troupe d'élite para, c'était des, autant que je me souvienne, des chasseurs alpins, je crois. Puis après, on passe dans le deuxième stade, c'est la torture. Et c'est hallucinant, ça se passe manifestement, enfin sur les arrondissements que j'ai eus, on voit, il y a des photos de femmes à poil, enfin de l'époque, c'était gentil, style cinémonde. Et c'est là que on met un siège, un bâton, et puis que le type est suspendu les mains en arrière, ce que après les Brésiliens ont pris, qu'ils appelaient le perroquet. Des gars discutent à un moment donné, parce qu'il y a toute une série, d'autres fument, etc. Comment c'est possible? Je veux dire que moi, tout de suite, quand j'avais vu ces photos, c'était en 56, fin 56, je savais que quand la presse défaitiste, je ne sais plus quels sont les termes qui étaient employés vis-à-vis du Monde,
de l'Observateur, de l'Express, de Témoignages Chrétiens, etc., qui était d'ailleurs interdit dans les casernes, en tout cas dans les parents, moi quand j'étais, c'était interdit. Et quand il parlait de torture, il fallait voir les colibés, la censure et tout. Alors qu'elle se passait. Et moi, j'ai été depuis lors toujours dans cette problématique, et je crois que tous les reportages que j'ai faits ont eu un lien direct avec la violence physique, la violence morale, la violence institutionnelle, les rapports dominants-dominés. Mais vraiment, je savais qu'elle était très pratiquée, et je ne savais pas quand même qu'elle était aussi systématique comme l'a avoué Massu et les autres. Et c'est ça qu'il faut bien voir, c'est la systématisation. On peut dire que la personne qui n'était pas torturée en Algérie, c'est la minorité, quoi. Et d'ailleurs, chez Trinquier, il ne se cachait pas que pour lui, à Alger, on boucle, c'est dans son livre, la guerre moderne, hein, ou la guerre... Hein, une fois il appelait la guerre, une fois la guerre. On boucle une rue, il y a 100 personnes, on fait un choix, on ne s'occupe pas tellement de l'âge ou du sexe, de 70 personnes, on les amène, là on fait encore un petit tri, il en reste 60, et on y va, il y en a bien un qui sera quelque chose. Et puis une dernière chose que je voulais dire, c'est que la torture, on parle toujours, c'est pour avoir du renseignement, c'est vrai. Mais elle est souvent, à travers l'histoire, et pas seulement en Algérie, utilisée pour humilier. Humilier l'individu, humilier les populations, effrayer les populations. Et je crois que penser que la torture n'a que pour but de faire parler, c'est un peu pour faire passer la pilule de l'efficacité. Un dernier point quand même, c'est pour parler un peu des Algériens, enfin de ceux qui ont été torturés. Moi j'avais fait un dictionnaire biographique il y a une vingtaine d'années qui s'appelait le dictionnaire des militants algériens, et j'avais interrogé 350 militants algériens pour faire ce dictionnaire. Pratiquement tous avaient été torturés. C'est-à-dire qu'il faut savoir que la torture en Algérie a été un phénomène de masse. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui était simplement sur des suspects arrêtés, sur la question des bombes, etc. Pratiquement tous les militants nationalistes que j'avais interrogés ont été torturés. C'est-à-dire que c'est vraiment appliqué à une population d'ensemble, ça veut dire des centaines de milliers de personnes. Et c'est ce grand secret, en fait, qui a eu du mal jusqu'à présent à circuler dans la société française. Parce qu'on avait le sentiment, en écoutant les Trinquiers, Bigère, etc., qu'il s'agissait toujours de moments exceptionnels, avec des suspects particuliers, qu'ils voulaient que les circonstances, la bombe, etc. En fait, c'est pas vrai. Parce que quand on regarde l'histoire de la torture, avant 54, elle était pratiquée en Algérie, de manière massive, sur les militants du PPM-TLD. Il y a eu des procès, d'avocats, qui ont démontré que tous leurs clients avaient été torturés. Je parle des procès du PPA de 48, 49, 51, 53. Donc ça, c'est très clair. Donc il n'y avait pas de guerre à l'époque. Et deuxième aspect qui est très très important, c'est qu'il y a des régions entières d'Algérie où il n'y avait pas de terrorisme urbain et de bombes à aller chercher, où en fait pratiquement tous les Algériens avaient été torturés. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable, quoi. Parce que quand on va aujourd'hui en Algérie, il y a une très grande pudeur, hein, dans les familles, chez les militants, etc., pour ne pas dire, hein, ce qu'ils ont vécu. Mais on ne doit pas, en France, prendre cette pudeur, disons, pour l'acceptation et pour du silence. Et ça, c'est très important aujourd'hui d'assumer, disons, ce qui a été fait à cette époque-là. Dernier point sur l'efficacité. Effectivement, l'efficacité de la torture, on pourrait en discuter longtemps. Parce que, en fait, lorsqu'on discute sérieusement avec des militaires sur la question de la guerre d'Algérie, là, si on va interroger les militaires sur la guerre d'Algérie, on s'apercevra qu'en fait, les renseignements les plus précieux obtenus sont les renseignements humains de gens qui ont été infiltrés dans les maquis de la LN pendant des années. C'est-à-dire que les plus grandes purges, les plus grands combats militaires gagnés par l'armée française l'ont pas été avec la torture, mais l'ont été par des opérations d'infiltration, ce qu'on appelle des renseignements humains, de gens qui étaient dans les maquis de la LN retournés, un phénomène arca aussi bien sûr, et qui ont permis de décimer des maquis entiers, disons, de la LN, sans que jamais il y ait un seul Algérien qui ait été torturé, en l'occurrence là. Donc ça, c'est sur le plan strict de ce qu'ils appellent, eux, l'efficacité. Donc il n'y a pas d'efficacité à ce niveau-là, je veux dire, c'est assez clair. Moi, j'étais en vacances en Bretagne, lorsqu'un matin, en écoutant France Musique à 8h30, arrive Yvan Levaille, et qui donne l'analyse de la presse, hein. Et brusquement, j'entends qu'il y a une pétition de 12 intellectuels, alors vraiment, j'étais sidéré, quoi. Et quand j'ai entendu les noms, je connaissais certains personnellement, d'autres je connaissais de réputation, je me suis dit, mais c'est formidable, enfin,
Parce que je crois, et les historiens le savent mieux que moi, eux ont travaillé depuis la guerre et connaissent beaucoup de choses. Mais le sentiment que j'avais, c'est que la France, les Français ont occulté cette guerre. D'ailleurs, on en parle peu dans les familles, on en parlait peu jusqu'alors. Et maintenant, moi, je suis extrêmement satisfait qu'il y ait un travail de mémoire, de réflexion qui se fasse. Il n'y a qu'à voir les lettres qui sont envoyées aux journaux et à l'humanité, un travail de catharsis qui est en train de se faire, où les gens, enfin, écrivent « j'étais là » ou même « j'ai torturé ». Je parle des appelés. Et ils signent. Parce qu'il y a une jeune femme universitaire qui a fait un travail récemment et qui a donné lieu à un livre. Je pense que je l'ai là. Voilà. C'est un livre récent de l'année passée de Claire Maus, j'ai pas mes lunettes, Copeau, appelé en Algérie. La parole confisquée, elle l'a fait en Lorraine, près de chez elle. Depuis plusieurs années, elle a eu plusieurs entretiens. Et au départ, les gens presque disent rien. La deuxième fois, un peu plus. Et la troisième fois, ils disent à leur femme, écoute, va à la cuisine, les enfants jouer. Et bah. Mais là, les témoignages sont anonymes. Alors, ce que je trouve formidable, ce qui est en train de se faire au niveau de la population française, qui a 60 ans maintenant, c'est revivre et s'interroger sur cette période. Parce que je crois que la torture, elle marque celui qui l'a subi. Il y a une tâche indélébile, mais il y a aussi une tâche indélébile pour celui qui participe activement ou qui, parce qu'il est coincé, parce qu'il est un jeune troufion, est obligé d'être présent, pas de couvrir. On a eu un témoignage. Il a évalué ça à 2780. Confession d'un professionnel de la torture, et il va ressortir cette semaine qui arrive par l'éditeur. Alors que là, il avait eu un succès de petit public. Hein. Et ce qui est intéressant, c'est que Jean-Pierre Vittori est un ancien de l'Algérie, que d'autre part, il a travaillé des années à la FNDRP, Fédération Nationale des Résistants Reportés, tout ça, et que tous ces problèmes, il les maîtrise parfaitement, et il avait fait un premier livre, Nous les appelés d'Algérie, chez Stock, 1977. Voilà, 77, c'est vieux. Là aussi, succès de limite. Hein, limite hein. Bon, et c'est en préparant ce livre, pendant une année, se déplacer en province, qu'il a rencontré différentes personnes, dont cet homme. Je crois que le grand problème sur lequel vient buter la conscience française, la parole des appelés, des pieds noirs, des soldats, des harkis, de toutes ces générations qui se succèdent, c'est le problème de la responsabilité de l'État dans la conduite de cette guerre et de la responsabilité des hommes politiques par rapport à cette guerre d'Algérie. On pourra tourner indéfiniment et sans cesse sur le fait qu'il faut que ce soit les cinéastes qui travaillent, que ce soit la télévision qui montre, et que les historiens aillent dans des archives qui soient de plus en plus ouvertes. Certes, enfin, vous savez, les historiens, ça fait longtemps quand même, les malheureux qui travaillent sur la guerre d'Algérie, qui essayent d'aller aux archives, qui montrent des choses, qui racontent des histoires, vraies ou fausses qu'importe, mais enfin, ils essayent de faire leur travail, les malheureux. Mais enfin, la grande question, elle n'est pas là, tout le monde le sait. Je veux dire, c'est la question centrale, c'est comme pour Vichy, quelque part. C'est le problème de l'État et de la responsabilité étatique et de ceux qui, dans les cabinets ministériels de la 4e et de la 5e République, parce que tous les premiers ministres sont morts maintenant, donc c'est terminé, enfin, de ceux qui sont toujours vivants, qui ont été dans les cabinets, qui ont donné les ordres, qui étaient au courant de ces missions d'enquête parlementaire, qui en 1957 se rendaient en Algérie sur la question de la torture, qui revenaient en France, qui rendaient compte de ce qu'ils avaient vécu, et dans tous ces cabinets, la justice, la santé, l'armée, l'éducation, enfin, je ne vais pas faire la liste de tous les ministères, hein. Bon, donc de tout ce personnel politique de la 4e et de la 5e, qui s'est succédé, qui est resté en place et dont la plupart des gens sont toujours vivants, bon ben, que disent-ils, eux? Sous l'influence des récits des victimes et des témoins, relayés par l'appel des 12 intellectuels et par la presse, l'opinion publique française commence à bouger. Des écrits, des images viennent aujourd'hui enrichir l'histoire, et nous attendons d'ailleurs la publication d'une thèse de doctorat qui a été soutenue brillamment le 5 décembre 2000,
thèse de doctorat de Raphaël Blanche qui s'intitule « L'armée et la torture pendant la guerre d'Algérie ». Merci encore à Françoise Calvez et Ignacio Ramonet d'avoir accueilli à Valence l'équipe de Passé Présent. Ciao, ciao les internautes.